Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour un Best of Forge Magie. Bon visionnage. Repassage invoque pour l'amulette volcan d'un abonné. C'est parti. Et ça passe pas. Dommage, c'était un full perf. Petit passage de rune trans pour un abonné qui m'a demandé de lui signer son item. Comme quoi, des fois les gens me demandent carrément. Au grand détriment du chat YouTube. Donc, petite ceinture corruption, sympatoche, exodosor. Hop. En rune trans. Sur une amulette Volcorn qui m'a dit, je cite, qu'il se sub si je passe le PA. Bon. Ah, le PA est sur l'item ou pas? Le PA est sur l'item ou pas? Je vous laisse juger. Très belle tenta PO sur une ménoture 3% nier perf. C'est ambitieux. Pas de PO. Passage d'une rune de transcendance dommage au sort sur des palmes de triton moins un vitalité pour aller sur un sacrieur R Coliseum. Magnifique. Passage d'une rune de transcendance dommage distance sur une magnifique capuche de l'œil attentif pour aller sur mon Xelor au PVP. Magnifique. 97 de puits. On va commencer par la Vita. Bon, on n'aura pas des très bonnes congruences. On peut essayer de faire un truc régul correct, mais ce sera pas ouf. On va mettre une rune Prosp. Ok, moins 15, c'est bien. Allez, il faut passer deux Papuis. C'est tout à fait correct, moins 18. La part de crit, moins 15. La rappuie qui passe. J'aurais bien aimé un crit là-dessus, je vous avouerai. Et tout en succès neutre. Bah écoutez, c'est pas dingue, on est à 19. C'est-à-dire deux tentes appui. Le reste était propre sur l'item et une tenta de perso. Décidément, les deux persos, c'est pas trop ça. Hein. Évidemment, on a le PA. Ça m'embête de trans ça, c'est pas hyper beau. Après, c'est de la muse rigide, donc ça se revend facilement, quoi. Après, les runes trans sont assez chères en ce moment. Elles sont à 3 millions et quelques. Mais bon, c'est pour la science. C'est pour avancer dans les modes. Donc à remplacer au plus vite par un meilleur G, mais temporairement, ça m'ira. Ça m'ira complètement. Et je parle pas du champion de LoL. Ok, eh bah écoutez, on finit là-dessus. C'est quoi mon activité qui rapporte le plus de kama actuellement? Là actuellement c'est le fait de miner. Ce qui veut dire que je rentre très peu de kama parce que ça rapporte pas grand chose. Il y a eu des époques où je faisais du PL, il y a eu des époques où je faisais du farm. Ça me rapportait beaucoup. Là les mineurs c'est vraiment très très peu. Mais c'est des revenus constants en fait, parce que je mine de toute façon, que je sois très actif ou pas, j'ai toujours le PC ouvert. Et quand je me fais un café et tout, je fais toujours un petit tour des mines. En semi-actif, et c'est toujours des petits revenus passifs, quoi. Plus plein d'astuces Kama aussi que je fais tourner en boucle. 114e tenta. Oh! Je savais que ça allait passer ce soir. Oh! Je savais que ça passerait ce soir. C'est. Oh, faux. Passage d'un PM sur un magnifique anneau Volcorn. Over 52 vitalité, moins de chance. Donc, très gros jet qui a été fait en brisage PA. Est-ce qu'on a le PM? On n'a pas le PM. Le PO. Yes. Cinquième tenta. Ah! C'est ma première tenta depuis la grosse Molan et la session de la dernière fois, quoi. Ça fait une semaine que j'ai pas touché. Oh. J'étais en mode là, forcément, ça va passer first try, mais quand tu le vis, si tu veux, c'est autre chose, quoi. Alors, par contre, j'ai poussé le pire cri de ma vie, donc je vous prie de m'excuser. Je vais essayer, je peux le couper au montage.
Compilation ASMR, une heure de une heure de passage d'exo sur Cubist non-stop. Je suis sûr que je fais des vues avec ça. J'étais sûr. 50 puissance dodo crit. C'est bah ça c'est exactement ce qu'il nous faut pour du farm ça. 85 depuis. Bon, j'ai revu légèrement mes exigences à la baisse. J'étais parti dans l'optique de faire un G full perf avec soin. Finalement, je vire le soin parce que ça ira très certainement sur du crad. J'ai aucun sort qui soigne. Je m'étais dit, bon, ça fera plus stylé et tout. On va faire des vrais G. Mais 120 de poids pour Caudal, ça rend le FM trop pénible. 85 depuis, du coup, je garde quand même les deux poux, même si ça pourrait être aussi discutable. On va essayer de faire quelque chose de stylé. 85, on va go. En vrai, je pourrais ravi avec bidouiller des pods et compagnie, mais. Entre nous. Ça peut se tenter. Hein. Est-ce que je vais faire ça? Non, on va y aller comme ça. Rainé, moins 20. Pavi, alors. Ouais, bon. C'était pas exactement le plan, mais on va dire que ça ira. On va couler la petite rune chat. Je vais mettre la pas de crit maintenant. Ok, elle passe plutôt bien les pas de crit pour l'instant. Là maintenant il faut spammer les pas âge. Allez, allez, on y croit. J'ai hésité à y aller sur de la rat. Ça fait mal ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aïe, 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 aïe. C'est moins 36 de crit. 4. J'ai pas ma tente à pas ça. Évidemment, on a le PM. Ouah, je suis abattu pour la J qui nous a troll. J'ai pas ma tente à pas ça. En vrai. Est-ce qu'on accepte ce G? Bon, l'avantage, c'est que là, j'ai la prospection. Je suis maxé sur les stats offensives, y compris Dopu. C'est plutôt pour du stuff farm, aller plutôt sur du cra ou autre. C'est compliqué. J'ai un peu du mal à appréhender ce que je veux faire sur cet item. En plus, il y a le problème du fait qu'on a pas toutes les lignes de visible quand on prend toutes les lignes, parce qu'il n'y a pas assez de lignes sur l'interface, ce qui est hyper hyper pénible pour faire le FM. Je suis un peu perplexe. Je pense que je vais transdodis machin. Et de toute façon, on en refera plein des pas de greffe. J'en ai besoin de plein, et en plus ça se vend hyper bien, parce que tout le monde recherche ça. C'est utilisé par tout le monde en farm. Je pense que je vais trans là-dessus, on va accepter ce G comme ça. Mais il faudra que j'en refasse plein, et on ira chercher des trucs de plus en plus beaux. Je pense que c'est à mon avis le plus raisonnable. Mais voilà, il va vraiment falloir que je continue à en faire, pour ajuster vraiment à quel niveau je mets mon curseur d'exigence sur l'item. Et parce que je répète que mon objectif à terme, c'est d'avoir du Dodi PO. Donc avec les soins ça me paraît assez illusoire, bon ça peut se faire hein, mais c'est du giga giga tryhard. Et là quand je vois déjà le mal qu'on a à sortir un irperf, voire un exododi sans trans, en utilisant juste le PM, c'est déjà assez pénible. On verra bien. Hop ça part, c'est jouable en farm, c'est quand même correct, et c'est quand même plus beau que la majorité de ce qu'on trouve en HDV. Et dès que je veux remplacer l'item, je vends celui-là sans aucun problème avec une plus-value et je refais un autre. 85 depuis. On va commencer par la sagesse. Ça fait mal, hein. On va mettre la faux, moins 3. La rune chat, moins 6. Moins 2. Ok, très bien. Moins 7. Les petits dommages. Moins 10. Et l'arrêt fixe. Reste 30. Ok, si j'avais eu 3 en rab, j'aurais fait des tentatives pavipod pour passer au full perf, enfin au perf vita, pas au full perf du coup. On va tenter du coup les dommages distance. Ok, enfin. Est-ce qu'on a le PM là-dessus? On a le PM.
Voilà, bah écoutez, c'est ce que je voulais. J'étais attentif quand même au perf stat, au perf sagesse. Soit, hop. Après, il y a aussi un côté lock sur le brisage et hop là, et de deux. Nice. Ça, c'est excellent, ça. Sachant qu'en plus, on pourra gérer. On peut sécuriser le perf à la pavipod si on veut, mais bon, là, c'est pas ce qu'on tente, hein, mais. Bon, on va augmenter les raises. 12. 18. Moins 18 à nouveau. Ok, le crit. Moins 24. Ouais, ça tombe assez vite, hein. Moins 6. On est à 22, bon, on peut tenter 2 vies de ravi. Ou pavipod. Si on fait 2 vies de ravi, on peut potentiellement aller vers les 200 si on arrive à passer 2 ravis. C'est assez peu probable quand même. C'est ce que je disais. Hein, si on est dans l'optique de sortir du gros G, c'est un petit peu ambitieux avec du 11% de base, je pense. Donc là, j'ai demandé au propriétaire de l'item ce qu'il préfère. Entre soit on sécurise, on fait pavipod, on est quasiment sûr de. Ok, il me dit que les temps sont durs et il veut pas trop grid. Ça roule. 1, 2, 3, 4. Parfait. Du coup, bah, ça sert plus à rien de compter le puits. Et un full perf. Je pense que c'était le plus sage, il n'y avait pas assez de puits pour tenter, il aurait fallu qu'on passe deux ravis, la deuxième faut qu'elle crit en général, c'est assez compliqué à faire autrement. Et il veut que je lui mette la transe tout de suite, let's go. Hop là, tout beau, tout propre. Voilà, ça bon c'est toujours sympa d'en réaliser un comme ça, surtout qu'on a un deuxième brisage à faire derrière. Encore une belle tenta ici à 99 de puits. On va commencer par la rainer. Ok, moins 10, c'est pas mal. Alors le problème, c'est que j'ai pas trop de runes qui pèsent le poids que je veux pour enlever mes over. Là, j'ai pas de runes qui pèsent 4 qui sont facilement accessibles. C'est un peu pénible. C'est des runes tac, ça? Ouais. Ok, on récupère. On va passer ça ici. Moins 2. Allez, il faut la ravie. J'ai presque envie de bourriner la pavie en vrai, hein, mais. Ça peut se faire le bourriner pavie, mais bon, bref. On va pas trop faire le con non plus. Moins 20, il refaut une rune tac. Le moins 20, ok, on aurait pu avoir moins 21, ça aurait été un peu triste. On va go repou. Moins 2. Pas ça. J'ai que des full perf. Ouah, ça crit. En vrai, c'est une dinguerie la session, hein. Pour l'instant, ok, 65, il me manque un de puits pour gagner une tenta. Je vais regarder si j'en avais pas un peu de résiduel. J'avais compté jusqu'où? J'avais compté jusque-là. S'il me reste un au-dessus du moins 2 sagesse, là, en principe, j'ai durable. Donc là, j'ai moins 5, là, j'ai plus 1. Plus 1. Plus 4, plus 1. Ouais, non, a priori, je pense pas. Je pense pas que j'ai un drab. Ok. On va essayer de crit une rune chat. Non. Bon, on peut encore tenter des crits et autres, mais. Tant pis. On va go, du coup, encore 10 tentas. Allez, le quatrième peut-être. Yes! On a eu un crit. On peut en remettre une peut-être pour un 5%. Pas de 5%. Bon, on est sur du full perf 4% là. En vrai, ça peut faire un item ça, enfin on va pas se mentir. Les amis, est-ce qu'on a le PA? On a le PA. Bon, là c'est quand même pas mal, objectivement. C'est marrant, j'étais justement en train d'expliquer au chat que ma méthode PA-PO fait plus facilement des 4% que sans faire comme ça, bref. Est-ce qu'on a le PO? On a le PO.
Ma méthode est complètement validée. Et en vrai, la session s'est extrêmement bien passée. C'est une dinguerie. Les giga puits qu'on a enchaînés, les magnifiques tantas, c'est assez ouf. Et écoutez, ça faisait longtemps que j'avais envie d'FM en omoplate. Ça faisait vraiment très très longtemps. Je pense que j'en referai d'autres. C'est un plaisir à FM, ce truc. Je suis assez bluffé de la session qu'on vient de faire. Là, je sais pas si vous réalisez à quel point ça s'est bien passé. Le jet qu'on sort est absolument magnifique. C'est vraiment, c'est mon jet de Fusebook, je vous mens pas. Sur mon de Fusebook, j'ai un GPF 4% terre, c'est exactement ce qu'il me fallait pour aller sur mon steamer feu PVP. En espérant que le PA saute assez vite. En vrai, on est pas mal. On est pas mal. La congruence de la vita est pas trop mauvaise. Est-ce que j'avais du puits avant? En vrai, je peux carrément compter depuis le début là. On va essayer de bien optimiser le truc. J'avais 4,8 plus 6 moins 6 plus 1 plus 0,2 moins 6. Ok, on était retombé à 0 avant la chute du PA. Donc on est à 94 moins 6 moins 6. On a 82. Ok. En vrai. Quarante-huit. On a 34. On peut tenter. Ah, il va falloir un peu de réussite, mais bon. On peut tenter le beau jeu, hein. Hop, une, deux et trois. Ouais, c'est un peu chiant. Très bien, et eh bien écoutez, on va mettre une petite rune prosp. Il faut le moins 15. Un échec critique à moins 15, ce serait parfait. Let's go! C'est la connexion neuro-itémique pour bien faire ce qu'on veut avec son item. Ça régale. On passe au suivant. C'est parti! 94. Hop, on a du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, moins 42. 52 restants. Moins 12. Moins 6. Moins 6, on a 28. Ça se fait en soi. Ça aurait pu. Votre EPA. Moins 36, dommage. Si on avait le moins 35, c'était un deuxième full perf. Tac, ok. C'était vraiment passer 0 sur 4, c'est. Voilà. Alors, on a 4,4. 98,4. Moins 12. Moins 12. Encore une fois, si ça troll pas trop, peut-être. Moins 6. Moins 6, moins 12, moins 12, moins 12. On a 26, ok, là ça va être un peu plus. On va voir comment ça se passe. On a deux ravis. Allez, une deuxième. Dommage. 40 à virer, là c'est typiquement, là j'allais pas me dire bah, je vais viser 200, non, là j'avais potentiellement l'opportunité d'aller chercher les 290, et maintenant que ça n'a pas passé, là on essaie de retomber à 200, c'est dans cet ordre-là qu'il faut le faire, sinon tu fais jamais des 300 vita en fait, si tu raisonnes comme ça. Bref, c'est pas grave le chat NP. Qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais go double tac. Moi j'ai envie de mettre un PM là-dessus. Mais bon, là je demande au proprio ce qu'il veut faire. Ah, je crois qu'il est parti acheter une rune PM. J'aime ça. J'aime ça.
Pour moi, à partir de 240, c'est quand même sympa de mettre un PM, quoi. J'aime ce que je vois, ça me plaît. Les amis, le PM, attention. On n'a pas le PM. Nice. Je me suis dit 11%, ça va forcément passer là-dessus, bah oui. En vrai, c'est pas mal. Là, normalement, j'espère que ça devrait pouvoir se faire. La question, c'est comment je gère la puissance. Est-ce que je go papuie-rappuie? Est-ce que je go puits-rappuie? Ou est-ce que je go double puits et triple papuie? Je pense qu'on va faire la première option en vrai, ça me paraît le plus safe. Parce que là, a priori, je suis large en puits, normalement. Il faut que je monte à 21. Et là, 1, 2 et 3. Allez, faut pas que ça troll. Ah, et bah dis donc, faudra l'avoir mérité celui-là. Ok, on y arrive. Bon, je tente pas de faire de dinguerie. On va juste mettre gentiment ça. Et c'est réglé. Et voilà, la petite transforce. Bon, c'était ce que je voulais. Je me suis un peu fait troller sur les brisages, mais j'en ai eu trois assez rapides qui se sont enchaînés. Donc au final, j'estime que la RNG ne m'a pas non plus trop bolos. Ça va, ça se fait. C'est la fin de ce Best of Forge Magie. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.